Europe Matin. Il est 8h54, Patrick Cohen. L'info média du jour. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick Cohen. Quelle est l'info du jour ? Aujourd'hui, je vais parler TNT avec une information qui est presque passée inaperçue à cause des fêtes. Tout est parti d'un communiqué du CSA après une longue étude officielle, communiqué publié le 27 décembre, c'est-à-dire entre Noël et le jour de l'an. Donc, les fêtes. En 2016, les chaînes de télé gratuites, notamment les chaînes de la TNT, ont perdu de l'argent, hors France Télévisions qui a droit à la redevance. Le résultat d'exploitation de l'ensemble des chaînes gratuites a basculé dans le rouge. Globalement, elles ont perdu 82 millions d'euros. L'arrivée de ces chaînes, on s'en souvient, avait fait exploser l'offre de contenu à l'écran, alors que dans le même temps, le marché publicitaire, lui, n'a presque pas bougé. Et le chiffre le plus étonnant est celui-ci. Seulement 3 chaînes de la TNT ont atteint l'équilibre. En clair, 3 seulement sont rentables, je vous les donne. BFM TV, la chaîne d'info continue. Gulli, la chaîne des enfants, voire parfois des tout-petits. Oui, Julie. Et Sister, la petite sœur de M6, qui diffuse surtout des séries. Et le 12 décembre, j'avais reçu dans Village Média Catherine Schoeffer, directrice générale de Sister, qui fêtait ses 5 ans, avec une question. Quel est le budget de la chaîne et est-elle déjà rentable ou est-ce simplement une marque que l'on pose en attendant 5 ans, 10 ans parce qu'on sait que les fréquences TNT valent de l'or ? Alors la rentabilité a été atteinte l'année dernière, donc on est très content de ce chiffre et c'est une chaîne qui s'est développée rapidement, plus rapidement que la première génération de chaînes TNT puisqu'au bout de 5 ans on a déjà rattrapé des chaînes historiques. Et on pensait qu'elle fanfaronnait. Eh bien, pas du tout. Alors attention, il suffit pas d'être en tête des audiences pour que ça marche. En 2016, C8 occupait une place de leader TNT, mais affichait 50 millions de pertes, notamment à cause des contrats faramineux de Cyril Hanouna. Et à noter qu'au moment de leur lancement, toutes les chaînes prévoyaient d'atteindre l'équilibre financier quand, en 2016, on voit que non. Village Média. Oui, on va rester au chapitre de la TNT sur fond d'affaires Weinstein et du hashtag balance ton port. LCP, la chaîne parlementaire, fait face à une tempête médiatique autant que juridique. Sa présidente, Marie-Ève Malouine, a été visée par une motion de défiance de sa rédaction car elle a décidé du retour à l'antenne du journaliste Frédéric Aziza, visé par une enquête pour agression sexuelle. Et il doit théoriquement revenir demain, jeudi, à l'antenne. Et l'affaire suscite une grosse émotion car elle touche quelqu'un d'emblématique. Il est le présentateur de l'émission phare de LCP, Question d'info, en collaboration avec l'AFP, France Info et le journal Le Monde. Et Marie-Ève Malouine a accepté d'être l'invitée de Village Média à 9h30. Autre invité, Pierre Hackning, qui réalise la nouvelle série fiction événement de M6 Souviens-toi et qui annonce un nouveau projet, une série consacrée à Xavier Dupont de Ligonnès. Tiens donc, ce sera intéressant tout cela à suivre évidemment avec vous. Philippe Vandel, 9h30, Village Média. Europe 1.